tout le monde. Lundi 7 septembre. J'avais dit que je reprenais les vlogs. Bah, ça va être le cas. Je parle pas fort, j'ai une malade à la maison. Ouais, une malade. Vous êtes 14 sur notre dernière vidéo. Yes. Merci. J'espère que ça va continuer. Oh, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah, pas de commentaires. Bah alors. Vous n'êtes pas obligé d'en laisser de toute façon. 14. Bon, ben. On essaye quoi? D'élever un petit peu plus ce chiffre. Est-ce que j'ai à vous dire rien? Elle a eu de la fièvre hier soir. Là, ça va un petit peu mieux. Je vais appeler la... Je vais appeler le médecin. Et je vous en dirai peut-être un peu plus dans la journée. Pas d'école aujourd'hui, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Et puis voilà. Voilà. J'espère que vous, ça va. Et puis. Bon ben, quoi vous dire de plus à part blablater pendant une minute, hein, pour rien dire. Je suis sur ma chaîne et je regarde un petit peu l'accueil du jour. Et on va se faire un petit peu d'inox tag. Voilà, allez, je vous dis plus tard dans la journée, à plus tard dans la journée. Bon, ben je vous reprends que maintenant, il est 10h30, donc on est toujours lundi, on n'a pas passé un autre jour. Depuis 8h05, 8h10 ce matin, du coup j'ai appelé le médecin, ils m'ont posé la question si c'était urgent. Ben, en temps, si on appelle chez le médecin, c'est que... Non, c'est vrai que c'est pas urgent. On boit un café chez le médecin, c'est magnifique, on est mort de rire. Donc je lui ai dit que ma fille avait de la fièvre, qu'elle avait le nez bouché clairement parce qu'elle est vraiment pas bien. Elle m'a dit écoutez, il n'y a pas de place avant 18h30 ce soir. Même 18h15. Donc on va y aller ce soir, puis on verra bien ce qu'elle a. Je lui ai donné du Doliprane à 8h20, quelque chose comme ça. Et puis, après... Là, je l'ai mise au lit un petit coup parce qu'elle me dit je suis fatiguée. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait un temps. J'ai jamais vu ça. Et je peux pas aller me promener. Mais j'irai me promener dans la semaine, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Puis c'est tout. C'est tout. Quoi vous dire de plus? Depuis ce matin, je me suis occupée d'elle. J'ai rien fait de plus. Voilà. Alors, moi aussi, je commence à être un petit peu en mode... Voilà. Mais moi, c'est tous les ans que j'ai ça. L'année dernière, je ne l'ai pas eu. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais moi, c'est des pharyngites. Donc, tous les ans, j'ai des pharyngites quasiment. En automne, hiver, et je suis pas bien en général pendant genre 2-3 jours. C'est pareil, c'est le nez qui coule, la gorge qui est prise. La petite, c'est la gorge, et le nez, et c'est là, elle a un peu les joues gonflées, donc je me dis que ça peut être ses dents qui poussent, ça peut être ça, bon, après je verrai ce soir, voilà, je verrai ce soir, que ce soit moi ou que ce soit son papa, de toute façon on verra, et puis je donnerai des nouvelles ou ce soir ou demain, je pense plus demain, si elle va mieux, en tout cas elle avait envie de jouer, donc ça c'est une bonne nouvelle,
Depuis tout à l'heure, j'ai fait quoi? À part que j'ai rangé mes habits. Donc j'avais une corbeille de plaine. Je les ai entassés, je les ai pas encore rangés puisque la corbeille est dans sa chambre. Ah si, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait ça hier. J'avais la fleur, j'avais le mot qui était posé dessus. Ben, je me suis dit, tu sais quoi, tu fais une carte. Voilà. Et donc je vous disais hier que donc j'ai reçu le catalogue de chez VBS. Il est vraiment épais. Je suis en train de regarder ça. Pour les couronnes de Noël. Une commande cette semaine, de toute façon, faut que je vois, faut que je fasse ça, et puis voilà. Sinon, je range là, j'ai tout réentassé. Faut que cette semaine, pareil, je vais faire des cartes cette semaine parce que faut que j'avance un petit peu, faut que j'avance un petit peu. Ça. Pardon, excusez-moi de ça. Faut que j'avance juste un peu de ça et puis. Puis voilà. Je pourrais peut-être un petit peu aussi avancer de ça. Les embellissements. Enfin bon. De toute façon, vous allez me suivre durant cette semaine. Et puis voilà. Bon, bah écoutez. Ah oui, si, je vous ai pas dit, mais pour ceux qui sont dans le Jura, si vous avez, ou même pour ceux qui sont ailleurs que dans le Jura d'ailleurs, parce que ça n'existait pas que dans le Jura, moi j'ai ça, et dans ce livre de 39, vous avez une rubrique. Je trouve que c'est pas mal. Je vous montre un petit peu. Une rubrique comme ça, avec marqué Megarama, pour gagner des places de cinéma. Des fois, c'est des partenariats. La fille qui a du mal à ranger le journal. Donc c'est des partenariats avec donc tout simplement le cinéma de votre commune. Et ben moi je le fais toutes les semaines. Et j'ai réussi une fois à gagner une place de cinéma où j'avais été voir le film de Guillaume Canet. Je ne sais plus le titre. Pourtant je l'ai du coup en DVD puisque ce film est un, je vais pas allumer l'ordi, est un magnifique film. Ça se passe sur l'agriculture. Voilà. C'est tout simplement un film basé sur les agriculteurs. Et il est poignant ce film. Mais franchement, si. Alors, je sais bien que c'est pas le truc du siècle en ce moment, mais ce film est un chef-d'œuvre, vraiment. Je suis allée le voir, j'en avais les larmes aux yeux. Du coup, parce que je voulais les commander, hein, je voulais l'acheter. Du coup, ce que j'ai fait, je suis passée genre dans la semaine au Super-U et j'ai fait, ah tiens, il est là, tiens, petit va dans mon panier. Donc voilà. Bon, écoutez, il est 10h37 à peu près. Moi, je vais voir ce que je fais. J'ai un petit peu des papiers à faire. Je vais me pencher dessus et puis je vais peut-être ranger un petit peu. Enfin, de toute façon, je vous dirai ça ou au fil de la journée ou demain matin parce que je ne vais pas non plus parler pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Voilà, vous verrez bien. Ou je vous dirai. Voilà. Allez, bah plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 8 septembre. Il est pas loin de. Ben, qu'est-ce que je dis pas loin? Il est 1h02. Hop
J'espère que vous allez bien. On est mardi. Je viens de finir de manger tout simplement. Je suis désolée. Je vous reprends que maintenant parce que j'ai eu un rendez-vous à la Com-Com ce matin. Donc à la communauté de communes. Voilà. Et du coup, j'ai peut-être un contrat. Pour faire de l'accompagnement par rapport aux enfants et aussi pour faire le ménage le soir à l'école. Alors ce serait l'école élémentaire et pas l'école les petits parce que c'est les ATSEM qui font. Et voilà quoi. Donc ça fait deux fois que la dame en fait elle m'appelle tout simplement. Parce que je l'ai eu une première fois au téléphone et à la vôtre, c'était pendant mars, pendant la pandémie. Elle m'avait dit oui, au fait, enfin bonjour, excusez-moi, oui, au fait, j'ai peut-être un poste à vous proposer au foyer logement. Et moi, étant donné que j'étais un petit peu dans la panique, que j'avais des contrats à droite et à gauche, je me suis dit, bah, de toute façon, tant que la petite n'est pas à l'école, c'est pas possible d'avoir des contrats de journée, quoi, tout simplement. Puis je me revoyais pas être ASH. Mon dos, il supporte plus. Donc je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais non. Et là, là il me propose ça. Donc j'ai pas encore signé, mais je vais, je pense, signer dans peu de temps l'autre contrat que je vais faire de ménage. Et j'ai ça. Donc au top. Depuis l'année dernière, je suis au top, les amis. Je suis au top. Et ça fait plaisir. Je voulais vous faire un petit retour de cette petite neige en spray que j'ai acheté chez Action. J'ai failli me la foutre sur la tronche. Je vais y arriver. Le snow spray, difficile à dire. Village magique, 300 ml que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Retour de course de chez Action. Donc si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à aller la voir. Elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Voilà, donc après séchage, parce que j'ai montré à Vanessa comment ça faisait hier, très vite fait, je ne lui ai pas spoilé. Ben ça fait ça. Bon, là c'est parce que là j'y vais délicatement, hein, mais si j'enlève, ça fait ça, clairement. Voilà. Ça fait un gros trou, ça fait très moche, mais ça fait ça. Voilà, et là j'y suis allée, j'y vais quand même. Donc là, je l'ai complètement enlevé. Mais je me dis qu'avec du GSO, ça peut être sympa. Par contre, ça fait vraiment un effet neige. Ah ouais. Franchement, au toucher, par contre, ça sent rien. Mais au toucher, ça fait vraiment l'effet neige. Oh, mais je vais y arriver. Neige épaisse. Ça, j'adore la neige épaisse. Donc peut-être qu'avec du GSO, puis en mettant un petit peu de GSO, un petit peu de ça, puis après vous badigeonnez la surface que vous voulez tout simplement, et je pense que ça peut être sympa, sachant que le GSO colle, ben ça fera un effet collé, puis un effet neige, pas mal aussi. Voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus pour le contrat de l'école. Donc j'ai été auditionnée par la dame que j'ai eue hier au téléphone, donc lundi, parce qu'aujourd'hui on est mardi, on est le 8. Et puis son collègue, donc ça a été très rapide, une demi-heure d'entretien. Pour dire quoi de plus, pas grand chose sur mon CV, sur ma vie, une famille, hein, voilà, et sur mes contrats, enfin voilà, les futurs contrats que j'ai. Voilà, rien de plus à dire.
Si vous connaissez le jeu Astro Garden, je vous le dis. Si vous connaissez ce jeu-là, le jeu Astro Garden, parce que c'est ce que je suis en train de jouer. Il y a une partie. Il y a une partie qui s'appelle navette spatiale. J'ai bien dit si vous connaissez. Voilà. Je vous la mets en entière. En entière, en entière. Là. Là. Voilà. Je vous la mets en entière, c'est ça. Donc, si vous connaissez le jeu Astro Garden, qui est un jeu qui est, j'ai envie de vous dire, ma foi, plutôt sympathique, avec différentes terres, avec des animaux à nourrir, avec des bâtiments à monter, enfin, je trouve que c'est plutôt sympathique. Sachez une chose, c'est que si vous voulez venir dans ma planète, enfin, dans mon... Oui, dans ma planète... Donc ça, il faut, et que vous êtes dans un autre astronef, voilà, je vais appeler ça comme ça, parce que moi c'est les terres glaciaires, enfin pas les terres glaciaires, mais c'est la Lune, voilà. Si vous êtes dans un autre astronef, sachez une chose, c'est qu'il faut très clairement que vous partiez de votre astronef pour aller dans une autre astronef. Ou dans un autre astronef, vous pouvez pas être dans deux. Non, 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 sinon ça serait trop facile. Vous auriez de la vie sur les deux, enfin des... comment vous dire? Vous auriez de l'oxygène sur les deux, enfin non. Donc si vous voulez venir, bah, envoyez-moi peut-être un petit message sur Facebook et puis ben, je vous enverrai le lien. Voilà. Bon, quoi vous dire de plus aujourd'hui en ce mardi 8 septembre 2020? Pas grand chose, rien du tout même. Si j'ai fait... j'ai fait 6 cartes hier, mais vite fait 6. Voilà, hop. J'adore celle-ci, ça fait un effet puzzle. J'adore. Puis après les 5 autres, c'est tout du classique quoi. Donc voilà. Donc ma fille a une rhinopharyngite. Ah si, j'ai celle-ci aussi que je vous ai pas montré. Je sais plus si je vous ai montré ou pas montré. Voilà, sympathique. Donc ma fille a une rhinopharyngite, donc elle est toute la semaine à la maison. Et vu qu'on ne peut pas lui mettre du sérum physiologique parce que bah, elle veut clairement rien dans le nez, le médecin nous avait proposé, enfin nous avait proposé rien du tout à moi puisque je n'y suis pas allée, c'est son papa qui y allait. Vu que le médecin a dit bah écoute, on va la tester pour le Covid, ben, du coup vu qu'on ne pouvait pas lui mettre quelque chose dans le nez parce que c'est les grandes tiges. Hein. Comment ben, le médecin a dit bon, tu sais quoi, vous savez quoi, c'est quoi, je vais y arriver, ben gardez-la à la maison et puis au moins ben ça sera bien, voilà. Donc ben, on verra. Elle avait plus de fièvre quand elle est allée au médecin, donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre bon, elle est très très irritée de la gorge et elle a le nez qui coule, mais un truc de fou. Bon, on verra bien fin de semaine. Moi, je vous en dirai un petit peu plus sur mon travail. Et puis voilà. Hein. Sur ce, moi, je vais continuer un petit peu à se regarder. Puis je vais aller fortement me reposer parce que j'en ai besoin. Voilà. Et bah, à plus tard. Coucou tout le monde. Mercredi 9 septembre. J'espère que vous allez bien. Je suis malade. Je crois que ça se voit un peu à ma tête. Je suis malade. Bah, il fallait ça en même temps. Voilà, du coup, je prends des médicaments. J'ai pris un efferalgan ce matin. Je vous avoue que je vais pas faire grand-chose de ma journée. Il fait beau, mais j'ai pas envie de sortir. J'ai juste une envie d'aller me coucher. Voilà. Bon, et vous?
J'espère que ça va. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Là, je viens de finir ce qu'il fallait que je les fasse. Du coup, c'était ceux d'hier. Les. Comment les. Bah, les feuilles, tout simplement. Et bah, du coup, je les ai montées en marque-page et je vais. Comment vous dire? Je bégaye, je suis vraiment fatiguée. Bah après, je vais mettre des sentiments dessus. Voilà. Donc, ça fera des jolis petits marque-pages. Alors, ils sont plus ou moins droits. Et en même temps, je penche. Ils sont plus ou moins droits, mais moi aussi, je suis pas droite. Ils sont plus ou moins droits, mais en même temps, c'est des marque-pages et c'est sympathique. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'attends des nouvelles, comme je vous l'avais dit hier, mardi 8, j'attends des nouvelles aujourd'hui dans la journée par rapport à mon travail. Quand est-ce que je peux prendre le poste si jamais moi je prends le poste. Si je le prends pas, bah, tant pis, hein, comme je le dis dans mes vidéos, si je le prends pas, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas que ça, j'ai aussi autre chose. Et voilà. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah rien. Hier, j'ai fait quoi? J'ai fait vite fait des cartes. Mais j'ai juste mis les feuilles dessus. Il n'y aura plus qu'à les décorer. Donc ça, je vous les montrerai une fois décorées. Parce que bon, il n'y a rien de. Il n'y a rien de. De waouh, c'est juste des feuilles que je pose sur des bases de cartes et après bah, ça fait des cartes tout simplement. Donc voilà, puis une fois que je les aurai finies, bah, ce sera cool. Voilà, on passera à autre chose. Et puis voilà, bon, bah, écoutez, il est 9h, 9h05. Je vais économiser ma voix vraiment parce que j'ai chaud. Chaud, j'en peux plus, mais en même temps ça fait du bien. Je vais économiser ma voix. Je pense que je dis toujours qu'il faut que je fasse ma commande pour VBS, mais je vais la faire. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dirai ou dans la journée ou à demain. Bonne journée à vous aussi si on se revoit pas. Et puis, plus tard. Bonsoir tout le monde, on est toujours mercredi. On est toujours le 9. J'ai mis un petit foulard parce que j'en peux plus. Je suis au bord de la ruine. J'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Voilà. Il est 20h15 et je me suis regardé Apprendre à t'aimer. C'est l'histoire d'enfants handicapés. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, j'ai eu des nouvelles par rapport au travail et j'en sais un petit peu plus, mais pas assez. C'est-à-dire que. Le recruteur m'avait dit que c'était un 10 ou un 15 heures et du coup il m'a confirmé aujourd'hui que c'était un 15 heures. Mais il voulait avoir un petit peu plus de détails et donc bah, il va finaliser je pense et j'espère demain, donc jeudi. Donc je devrais avoir normalement des nouvelles jeudi. Voilà. Grâce à ça. Et je dis bien grâce à ça parce que vous l'avez vu dans mon. Dans mon. Comment je voulais présenter, j'ai gagné une place de ciné. Voilà. Bon, ben. Après, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vais aller me coucher parce que j'en ai fortement besoin. Et puis, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 9 ou 10. Excusez-moi, je ne sais plus la date. Hein. Il est 9h. Moi, le quart, je suis toujours autant grippée. J'ai le nez, c'est affolant. Il veut pas partir un petit peu celui-là. Il veut pas.
Non, il te dit, tu sais quoi, tu l'as pas eu l'année dernière, bah aujourd'hui, tiens, cette année, tu vas l'avoir bien comme il faut. Bon, ça va, j'ai connu vachement pire, j'ai connu des. À me tordre dans le lit, tordre de douleur et tout, mais donc là, ça va, c'est que la gorge et le nez. Voilà, mais en même temps, c'est pénible. Voilà, bah écoutez, en ce matinée, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais pas franchement faire grand-chose, puis la journée, ça va être la même. Donc, comme je vous le disais hier, mercredi, j'ai regardé Apprendre à t'aimer, un film comme ça. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, d'ailleurs, je vous l'ai mis sur mon Instagram, allez le voir avant qu'il ne soit plus en replay. C'est un film, je vous spoil un peu, sur la trisomie 21, mais il est super bien réalisé. Franchement, super bien réalisé. J'en ai eu les larmes aux yeux. C'est simple, j'en ai eu vraiment les larmes aux yeux. Voilà, cet après-midi, je pense que je vais me regarder Grégory, Pourquoi je vis. Je pense que ça me. Non pas que ça va me faire du bien, mais bon. J'ai envie de regarder des films en ce moment. Puis des films qui m'intéressent, parce que mes DVD, je les connais tous. Et voilà. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais aller prendre ma place de ciné. Je sais que j'ai 6 mois pour aller la chercher. Donc 6 mois, ça va, hein. C'est déjà pas mal. Donc je ne sais pas, il faut bien sûr, faut que je regarde les séances, il faut que je regarde quel film peut me plaire. Bah, c'est sûr qu'avec le masque, ça n'a pas de simple, hein. Ma foi, on va être obligé, donc voilà. Je ne vais pas dire non à cette place, hein, parce que c'est du gratuit. Voilà. Non. Sinon. Je ne suis pas du tout une accro de Scrabble. Je ne suis pas du tout une accro de carterie. Du tout. Donc, voilà ce que j'ai fait en. Pardon, excusez-moi. Voilà ce que j'ai fait entre hier et avant-hier. Et ça fait depuis 3 jours. Enfin, 3 jours. T'es gentil. J'ai fait genre ça. Je les ai collés, hein. Franchement, je les ai vraiment collés. J'ai fait ça entre hier et avant-hier. Le reste était déjà fait. Mais c'est pour vous dire que j'ai tout ça de carte. Voilà. Et il me reste ça à faire. Et là, je suis en train de faire les marque-pages ce matin. Il me reste ça à faire. Voilà. Après, ça va être vraiment comment vous dire? Ça va être du. À mettre les sentiments, pardon. Ça va être à mettre les sentiments. Et puis après, à les ranger dans un carton. Le carton que je vous avais montré en live. Voilà. Et puis voilà. Bon, bah sinon, c'est tout. Je vais aller m'occuper de la petite. Et puis c'est tout, quoi. Puis, je voudrais bien qu'il parte, celui-là, parce que si je dois commencer bonne heure la semaine prochaine, enfin bonne heure, je me comprends, c'est que si je dois commencer la semaine prochaine, lundi, et que je suis toujours dans cet état-là, ça va un petit peu me faire mal. Parce que mon chéri m'a proposé ce matin de me tester. J'hésite, très franchement, j'hésite. Pourquoi? Il n'y aurait pas la Comcom qui m'aurait proposé un travail, j'aurais dit oui tout de suite. Maintenant, je vous avoue que me faire tester, si je suis positive au Covid. Je vais un petit peu me mordre les doigts, quoi. Ça veut dire, vu que la loi n'est pas encore passée, ou alors si elle est passée, bah dites-le moi. Mais je crois qu'elle n'est pas encore passée, la loi de 14 à 7 jours. D'ailleurs, pourquoi 7 au lieu de 14? Bref, voilà. Si je dois m'absenter déjà dès le départ à 14 jours.
je vais m'en mordre les doigts, quoi, sérieux. Donc, je sais pas, puis le prochain test gratuit qu'on a vers chez nous, c'est le 22 septembre. Donc, je sais pas. En attendant, c'est Efferalgan, c'est ce matin. Alors, hier, je me suis pris un thé. Fruits rouges, parce que j'adore les fruits rouges. J'ai pas trop mis de sucre. Voilà, pour éclaircir ma voix, c'est sympathique. Et puis, comment vous dire, ce matin, c'était cacao, parce que j'adore le cacao. Donc voilà. Du lait avec du chocolat en poudre. Hein. Avec une bonne dose de miel, voilà, pour vraiment que ma voix se calme un peu. J'ai chaud. Toute la nuit, j'étais là en train de moucher. C'est affreux, mais affreux. Je pense que vous voyez à ma tête que je suis pas comme d'habitude. Voilà. Donc, moi, sur ce, je vais vous laisser, vu qu'on est jeudi. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Tout va bien. Voilà, j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux, je vous en tiens informé, de toute façon je vous dirai. Il reste que demain vendredi pour que je vlogue et puis ce week-end c'est repos, c'est pas de vlog du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Voilà, comme ça je vous mettrai en ligne demain le vlog et voilà, je ne fais quasiment rien de la journée. Hier j'étais vraiment pas bien, mais vraiment, enfin pas bien au point d'aller vraiment me coucher. J'y suis pas allée. J'ai regardé le film parce que je me sentais un peu mieux. Et puis j'ai fait des quartiers matin. C'est tout ce que j'ai fait, vraiment tout. Ah oui, si, puis si, les marque-pages quoi. Voilà. Donc là les marque-pages, je vais les faire des découpes, les mettre. Et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Il n'y a rien de bien foufou hein, dans ce que je fais tous les jours, surtout quand ma fille est là. C'est vraiment, je tourne vraiment au ralenti parce que d'habitude je tourne à, hein, je tourne plus vite, mais là, qu'est-ce que tu veux avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Bon, aujourd'hui fait beau. Hier la petite elle a pu aller se promener, moi vu que j'avais mon film. Je reste à la maison. Et puis je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit, si je vous l'ai dit, tant pis, désolé. Hein. Si je vous l'ai dit pour la place de scie. Je me répète. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vais m'occuper de ma fifi. Si, il y a ça que j'ai préparé hier. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si vous allez voir, ouais, et ça que j'ai préparé, c'est pas du tout une box parce que Vanessa est au courant. C'est des découpes, des tamponnages que je devais lui faire, donc je vais lui envoyer. Et puis, il y a ça un petit peu en découpe, donc voilà. Donc, j'ai pas non plus envie qu'elle attende non plus trop, et je sais qu'elle m'en voudra pas si, parce qu'on en a parlé hier. Elle m'a dit, même si c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine. J'ai dit non, non, je préfère te l'envoyer, au moins ça c'est fait. T'avanceras un petit peu dans l'attente d'écrire. Hein. Et puis quitte à lui en refaire après, et ben voilà. Voilà. J'ai pas reçu de courrier cette semaine. Voilà, donc il n'y aura pas de balle, très clairement. Si, il y avait une balle de ça, pardon, excusez-moi, je renifle, c'est vraiment pas sympathique. Il y avait une balle de ça. Du coup, oui, j'ai gagné une place de ciné, donc voilà, mais c'est tout. Je n'allais pas vous faire une vidéo spécialement pour ça, voilà. Si vous voulez savoir un petit peu là-dessus, j'en ferai une vidéo, mais là cette semaine voilà. Et puis j'ai reçu juste de la pub, c'est tout. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous
Et puis je vous dis ou à dans la journée pour vous donner un petit peu plus de mes nouvelles, ou bah demain, et voilà. Et bah plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 9h20, donc 8h40. Et nous sommes le 11 septembre 2020. Et là, je regardais quelque chose sur mon compte. Je sais pas si vous allez y voir. Vraiment, n'oublions jamais le 11 septembre 2001. Aux États-Unis. Alors, comme vous voyez à ma tête, ça ne s'arrange toujours pas. Ça va un peu mieux, mais j'ai des difficultés à parler. Parce que je suis encombrée du nez. Et celui-là, il m'en titille la vie parce qu'il ne veut absolument pas partir. C'est tendu entre lui et moi. Il est chiant. Ce matin, j'ai rendez-vous à la Comcom pour mon travail. Je vous en dirai un petit peu plus. Parce que enfin, on arrive à la fin de cet épisode de Comcom et d'école. Donc je vous en dirai vraiment plus là. Tout à l'heure, quand je serai sortie, j'ai rendez-vous à 9h30. Voilà, 9h30, super avec la petite goutte, c'est mignon. Après, le vlog va être terminé. Une fois que je vous aurai vraiment dit ce qu'il en est par rapport à mon rendez-vous. Le vlog va être terminé. Il n'y aura pas eu beaucoup de choses cette semaine. À part mon rhume. Rien de très transcendant. Rien de bien foufou. Rien de bien génial. J'ai rien fait cette semaine, enfin rien. Tout est relatif parce que quand je vous dis rien, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas passé ma commande de VBS, je n'ai absolument, pratiquement, enfin, j'ai pas fait autant de cartes que je voulais. J'ai pas fait autant de marque-pages que je voulais. Voilà, c'est. Par contre, il va falloir que je me dépêche parce que. Je suis désolée d'envoyer mon état de santé. Faut que je me dépêche parce que si j'ai pas envie, encore une fois, de me dire la semaine prochaine, bah tu sais quoi, tu les fais pas parce que tu es trop fatiguée ou je ne sais quoi, va falloir que je mette les bouchées doubles et que je me dise. Bah c'est bon quoi, allez on y va. De toute façon, à partir de lundi, la petite elle retourne à l'école. Donc moi je vais avoir un. Ce coup-ci, je vais avoir un mini rikiki de temps. Je ne vais pas avoir autant de temps que d'habitude. Puisque c'est, comme je vous l'ai dit, un contrat de 3-4 mois qui irait jusqu'à fin décembre, jusqu'au 23 décembre, et qui pourrait se renouveler si vraiment. Entre eux, si vraiment eux ça va et que moi ça va. Voilà, en gros. Et que si vraiment derrière il y a. Ben, moi je suis contente et eux ils sont contents. Après il y aura peut-être du. Comme je vous l'avais dit, il y aura peut-être un CDI derrière. Mais c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre. Après, il faut voir bien sûr. En tout cas, moi je vous en parlerai tout à l'heure parce que je vais partir dans 20 minutes à peu près. Sachant qu'il est 9h moins le quart. Je vous en dis une fois que j'ai fini mon rendez-vous. Et puis après, bah, je lancerai le vlog. Voilà, le vlog sera en ligne dans la journée. Il faut juste que je le. Parce que je ne l'ai pas monté. Il faut que je le monte. Il faut que je mette le titre. Il faut que je mette l'image aussi. Et après, ce sera tout bon. Et vous aurez bah, le vlog dans la journée. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse parce qu'il y en a une. En fait, elle est. Bah, ça coule et qu'elle est, elle veut pas se moucher. Voilà, donc je vais y aller pour la moucher. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne matinée. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 1h moins 10. Et je reprends que maintenant, je vais aller manger. Donc à midi, c'est poisson avec galets de légumes.
J'ai fait mon entretien ce matin et je commence lundi à 9h30. Donc ça, je suis trop contente. Je vais faire le matin le périscolaire, le midi le trajet de bus et le soir le ménage. Donc c'est un contrat de 18h50, un truc comme ça. Voilà, et je devrais faire les vacances scolaires, mais après je sais pas encore. Donc voilà, j'attends des nouvelles du responsable pour qu'il m'envoie mon planning. J'allais vous dire mon contrat par mail, et je vais signer mon contrat genre lundi, mardi ou mercredi, le temps que la dame le fasse et que ça soit tout envoyé. Voilà, sinon je suis toujours autant bousée du nez, c'est archi chiant. Et j'ai toujours autant mal à la gorge. Voilà. Si ça continue, je pense à me faire tester. Mais comme je vous l'ai dit, d'un côté, j'ai fortement envie. Mais de l'autre, le souci, c'est que si je suis vraiment testée positive, ça va me faire quelque chose pour l'école. Vraiment, 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 vraiment. Parce que je me dis que j'ai pas envie, très clairement, de les planter alors que ben je viens de leur dire oui quoi. En même temps, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mais je vais voir. De toute façon, je vais prendre des cachets, du citron, je vais mettre faire couler le nez, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je vais faire quelque chose entre vendredi, samedi, dimanche et lundi au taquet. De toute façon, là j'ai pas le choix. Comme j'ai dit au responsable ce matin, il m'a posé la question si j'étais toujours ok pour le contrat. J'ai dit bien sûr. J'ai dit bon, ma fille m'a refilé son truc, mais j'ai dit de toute façon je serai opérationnelle. Ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, si je peux les soulager, ben tant mieux. Voilà. Ben écoutez, pour moi, le vlog va s'arrêter là. Il est donc 1h10. Je vais vous le charger. Et puis moi ce que je vous souhaite c'est un bon week-end et je vous retrouve donc lundi. Alors lundi je sais pas comment je vais faire, je vous avoue honnêtement, là la semaine prochaine je sais pas comment je vais la gérer du tout. Si je vlog ben, un petit peu le midi, un petit peu le soir, je sais pas. En tout cas vous aurez un vlog, ça c'est sûr et certain. La semaine prochaine je vais aussi voir la dame pour mon contrat pour... la caisse d'épargne. Donc après bon, on verra hein. Bon voilà, donc voilà, et puis c'était toutes les nouvelles que j'avais à vous donner. Et puis bah voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.